Donc, je vous parle de cette figure énigmatique, très controversée et encore moins inconnue, qui était Miklós Nisli, docteur en médecine, chirurgie et accouchement, en utilisant l'expression consacrée en français, mais donc le destin est assez unique. Il y a naturellement des volets que je ne détaillerai pas, le temps est limité, mais comme toujours, un exposé qui prétend être intéressant doit surtout susciter une bonne discussion. Donc je suis à votre disposition pour les questions et les évaluations, surtout au deuxième degré. Un premier exposé de base est au premier degré. Nous en avons vu les exemples hier et les questions essayent de libérer le contenu, je dirais, subcortical. Le cas de Dr. Nisli est un cas unique dans l'histoire des Sonderkommando. Si j'ai choisi d'en parler, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, tout en étant son cadet de 36 ans, j'ai partagé en 1944 le même parcours de persécution avec lui, sauf que notre train a été dévié sur Strasshof-Vienne au lieu de suivre la route classique Kassa-Cracovie-Auschwitz. D'autre part, moi-même médecin, j'ai bénéficié de la même formation que mon confrère Nisli, notamment dans une université germanophone à Vienne, Autriche, où la morphologie descriptive en anatomie pathologique et en médecine légale était enseignée avec la même minutie qu'à Kiel et Breslau, où le docteur Nisli a reçu sa formation de médecin et de spécialiste. Miklós Nisli, né en 1901, décédé en 1956, était un des Arbeitsjuden d'Auschwitz. De facto, avec un terme technique d'aujourd'hui, il était médecin-chef de service d'anatomie pathologique, entre guillemets, nous sommes à Auschwitz, attaché au laboratoire de Dr. Joseph Mengele, mais comme tel, il faisait bel et bien partie des Sonderkommandos. Par ailleurs, il vivait avec eux, il mangeait avec eux, il dormait avec eux, dans les mêmes locaux. Envoyé dans le ghetto de Nagyvárad le 3 mai 1944, c'est le nord de la Transylvanie, rattaché à la Hongrie en 1939, dans le cadre du deuxième traité de Vienne, comme cadeau de Hitler à son fidèle allié Miklós Horthy. Donc il fut déporté à Auschwitz fin mai de la même année, enfermé dans les wagons des bestiaux comme 480 000 autres juifs hongrois entre le 15 mai et le 7 juillet 1944 dans le cadre de la solution finale orchestrée en Hongrie par Adolf Eichmann avec un acharnement exceptionnel après l'occupation du parti le 19 mars 1944 par les nazis. Une telle densité de déportation et gazage n'a jamais eu lieu ailleurs. Je renvoie à ce sujet à l'ouvrage fondamental et fortement détaillé de Braham, The Hungarian Holocaust, édité aux États-Unis en 1980, deux volumes de plus ou moins 1000 pages, qui fait l'autorité absolue à ce sujet. De plus, la vie inhumaine dans le ghetto de Nagyvárad, Oradea aujourd'hui, a été rendu avec une fidélité horrifiante au niveau littéraire par Béla Zsolt, écrivain connu, survivant miraculé de ces mi-ghettos, mi-camps de concentration, qui était peut-être le plus grand et le plus cruel sur le territoire de l'État hongrois de l'époque. Sélectionné par Mengele personnellement sur la rampe de débarquement comme médecin spécialiste avec utilité potentielle pour ses recherches,
Nisli a bénéficié dès le début d'un traitement particulier tout en étant attaché aux hommes faisant partie des hommes d'Air Commando de cette période, équipe numéro 12. Ayant bénéficié d'une formation médicale universitaire de base, ainsi que pendant le postgraduat comme anatomopathologiste et médecin légiste dans les universités allemandes, il était le collaborateur rêvé de Mengele. Il fut rapidement chargé de la direction de volet morphologique des pseudo-travaux scientifiques, je souligne parce qu'il n'a jamais participé aux expériences qui ont précédé les nécropses qu'il a pratiquées. Donc, il devait fournir des descriptions minutieuses et détaillées de tous les cadavres qu'on lui a soumis et dont il connaissait l'anamnèse, c'est-à-dire le calvaire et le mode exécution, sans lui-même, Nisli, se pose trop de questions à cet égard. Il travaillait impeccablement comme médecin, sachant que ses descriptions avec les commentaires de Mengele arriveraient devant les plus hautes instances médicales scientifiques du Reich, à savoir au Reichsinstitut für Rassenbiologie et Embryologie à Berlin. Il a gardé les relations étroites avec les membres des Sonderkommandos, comme je l'ai déjà dit, dont il n'ignorait pas le destin après 4 mois de service. Par ailleurs, il savait parfaitement que ce destin pouvait le frapper également en n'importe quel moment. Remarquons que, mis à part son emploi comme collaborateur scientifique, en tant qu'anatomopathologiste, dans le cadre des travaux de Dr Mengele, il était également titulaire comme médecin soignant de 120 SS assurant la surveillance des 4 Sonderkommandos, de l'équipe de 12, et de même que des membres de ceux-ci, ce qui faisait 860 patients potentiels. Libéré après la dissolution de l'unité médicale et la dislocation de camp d'Auschwitz, libéré à Ebensee début de mai 1945, Nisli est rentré en Hongrie et il fut rejoint en octobre 1945 par sa femme et sa fille, qui ont été épargnées grâce à une intervention indirecte de Mengele. Elles étaient libérées à Bergen-Belsen. Remarquons ici que dans le récit des chapitres 5 à 35 de son ouvrage, les figures de sa femme et de sa fille apparaissent furtivement seulement 2 fois. Par contre, il consacre un chapitre, page 100 à 108, à une anecdote, si on peut l'appeler ainsi, qui explique comment, grâce à l'aide de Mengele, comme quasi récompense pour 3 mois de travaux dévoués, fin septembre, il a su localiser sa famille dans le camp C, où on a parqué les femmes déportées hongroises envoyées sur la rampe à droite lors de la sélection de mai-juin 1944. Et comment, grâce à son laissez-passer exceptionnel, qu'il possédait comme médecin clinicien, il a pu les nourrir et les rencontrer régulièrement pendant 2 semaines, et comment, chez un autre SS haut gradé bienveillant, il a pu obtenir, tuyauté par Mengele, qu'elle soit envoyée dans une usine de l'industrie militaire fin septembre, loin d'Auschwitz, au lieu d'être liquidée comme les autres détenus de camp C 2 semaines plus tard. Il a commencé la rédaction de ses mémoires immédiatement après la guerre et il les a publiés d'abord en 1945-46 sous forme de feuilleton dans la revue hebdomadaire Képes Figyelő, une sorte de Paris Match local de l'époque, que j'ai dévoré immédiatement, gamin âgé de 8,5 et 9 ans. Mais ça m'a terriblement interrogé. 6 mois après ma libération, en avril, près de Vienne, en 1945, à quoi j'ai échappé? Parce que lorsque nous étions en déportation pendant 11 mois et demi, on ne savait pas officiellement qu'Auschwitz existait. Ça, nous avons appris par le biais de ma grand-mère qui devait aller à l'hôpital à Vienne pour traiter un problème chirurgical. Et c'est là où on lui a appris en janvier 1945
que le gazage existait. Je reviens sur Nisli. L'ouvrage est paru sous forme de livre la même année. Et il a été réédité 50 ans après, donc en facsimilé. C'est ça que j'ai ici, donc c'est l'édition 95. Une version française de livre est disponible depuis 1961, intitulée « Médecin à Auschwitz », édition Julliard, et en 61, et dans la série « J'ai lu », leur aventure, numéro A266, publié en 1966. Le livre, de 165 pages en hongrois, se subdivise en trois parties. La déportation elle-même et l'installation dans le camp, les premiers quatre chapitres. Deuxième partie, Nisli le médecin et le prisonnier dans la vie quotidienne d'Auschwitz, chapitres 3 à 35. Puis l'épilogue, à partir de Debandade, la marche de mort, à laquelle il a survécu, chapitres 36 à 40. Quant au corps de l'œuvre, voir les chapitres 5 à 35 cités ci-dessus, ceci correspond à 128 pages sur 165 que contient le livre dans sa version hongroise. Il s'agit d'une description strictement chronologique, bien équilibrée, comme s'il avait fait un reportage presque dépourvu de toute remarque subjective, en fréquentant Auschwitz avec un tel objectif imperturbable. Il se met à distance par rapport au phénomène décrit, même s'il le concerne et personnellement le touche, ce qui est incontestablement un très bon mécanisme d'autodéfense. La véracité des événements décrits paraît inattaquable. N'oublions pas qu'il a déjà commencé la rédaction de ses mémoires moins de 18 mois après son arrivée en Auschwitz, fin mai 1944, et 5-6 mois après sa libération. La plus grande partie de l'histoire de son vécu à Auschwitz-Birkenau est consacrée à son activité médicale, au sens large de cette expression, notamment avec la description minutieuse des autopsies réalisées, ainsi qu'avec l'évocation du contexte qui a amené les victimes du camp ou de l'expérimentation sur la table d'autopsie. Lors de ses 15 reports, il détaille souvent le destin de ses victimes antérieures à leur décès, sans émettre des critiques ou des considérations d'éthique médicale. Il a dû aussi réaliser des autopsies des officiers SS, morts dans des circonstances peu claires ou qui se sont suicidés. Sauf ces derniers cas, il n'a jamais rempli la rubrique « cause du décès », ne voulant pas provoquer avec trop de précision son supérieur hiérarchique Mengele. Comme il disait, il ne voulait pas partager ainsi une complicité avec les médecins SS. Il a détaillé quelques cas qu'il considérait être d'intérêt médical général, comme par exemple l'autopsie réalisée avec l'aide de deux collègues, en une semaine de 150 détenus décédés pour cause de dysenterie, pour assurer ainsi le matériel d'une publication scientifique d'un ami médecin interniste de Mengele. Naturellement, il n'a pas signé l'article. Beaucoup de place est occupée par les cas des jumeaux et des nains qui constituaient la préoccupation scientifique majeure de Mengele. Il a consacré respectivement un chapitre détaillé au cas d'une jeune survivante de 16 ans qui a été retirée vivante d'une chambre à gaz, qu'il a réanimée avec deux autres Sonderkommandos et pour qui il est intervenu avec insistance auprès du bureau principal de service, l'SS Oberscharführer Hussfeld, hélas sans succès, et, d'autre part, au cas d'un père et de son fils, atteint d'une malformation osseuse congénitale, qui ont d'abord été examinés vivants par balle et puis tués ainsi avec les autres 70 000 derniers juifs du ghetto de Litzmannstadt-Lodz après le soulèvement de 7 octobre. Les squelettes de ces deux dernières victimes, qui devaient être nettoyés, procédé que Nisli décrit avec un luxe de détails effrayant, même pour un médecin,
furent envoyés à Berlin pour faire partie des collections anthropologiques censées démontrer l'infériorité de la race juive. Nous étions en octobre 1944, l'armée soviétique était déjà profondément en Pologne. Sapientissat. La partie subjective et médicale correspond à peu près à la moitié du récit. Les autres sujets traités, éparpillés chronologiquement dans le texte, sont respectivement la description du camp, les reportages condensés des massacres, l'attitude et le comportement des SS, la description et l'évaluation de la personnalité de Dr. Mengele, ainsi que la vie et le travail des Sonderkommandos. Chaque point, chacun de ces sujets, en partie connus et en partie moins connus, mériterait une analyse fouillée individualisée, mais c'est plutôt un travail pour les historiens purs et puristes que je ne suis pas moi-même. À titre personnel, je m'étonne que depuis 68 ans, personne ne s'est penché sur cette documentation exceptionnelle. Une seule demi-explication est l'impénétrabilité de la langue hongroise. À titre personnel, j'estime que quelques-unes des brèves descriptions d'extermination de masse constituent des chapitres d'un ouvrage littéraire saisissant de haut niveau. Je pense ici par exemple au massacre au boucher de juifs hongrois surnuméraires en juin 1944, lorsque la capacité des crématoires était dépassée. À la liquidation des deux trains de déportés de Theresienstadt. À l'extermination des camps de tziganes et des baraques entiers où une maladie infectieuse a été mise en évidence, c'était leur système de quarantaine. Il y avait un malade infectieux, on a tué tout le monde dans la baraque et dans la baraque à gauche et à droite. Également au gazage de juifs de Corfu et de 70 000 détenus de ghetto de Lodz, déjà mentionné, liquidé en 7 jours, et last but not least, un des hauts lieux littéraires de livre est la description du soulèvement de 7 octobre 1944 des Sonderkommandos, faisant également 70 victimes, selon Nisli, parmi les SS. Ce chapitre 29 de 12 pages dramatiques est pour moi le sommet du livre, littérairement vu, humainement également et dans son objectivité, et constitue un document historique assez exceptionnel, même si le sujet a déjà été évoqué maintes fois dans la littérature spécialisée et même dans le cadre de colloques d'hier et aujourd'hui. N'oublions pas que Mengele a été couché avec tous les autres membres de Sonderkommando qu'on aura tué après, et on l'a retiré avec 3 autres médecins parce que Mengele en avait encore besoin. Donc il décrit vraiment comment il était là, à gauche et à droite avec un collègue, et subitement SS est venu. Vous trois, vous venez. Also, mitkommen, de Hauptsturmführer Mengele braucht sie. Comme annexe, on peut encore ajouter comme élément saisissant à ce chapitre la liquidation de la 13e équipe de Sonderkommando qui a relayé ceux de l'équipe numéro 12 qu'on a exterminé après le 7 octobre. Et à partir du début d'octobre 1944, ils ont travaillé un mois et donc les membres ont été exécutés par lance-flammes avant le début de démantèlement d'Auschwitz à partir du 17 novembre 1944. Les contacts de Nisli avec les différents SS étaient, mis à part quelques exceptions, surprenants, plutôt objectifs, voire de temps en temps collégiaux, même en ce qui concerne les non-médecins. Il les a investigués avec les yeux d'un scientifique, y compris leurs points faibles, corruption, vol et enrichissement personnel, alcoolisme, burn-out, etc. Ceci mériterait une véritable analyse sur le divan d'un spécialiste en psychiatrie, mais surtout en ce qui concerne le rapport de Nisli avec Joseph Mengele. Dès le début de son travail, il l'a décrit positivement comme un travailleur assidu, véritable stakhanoviste. Le mot ne vient pas de Nisli, mais de moi. Qui remplit ses responsabilités avec le même zèle,
Lors de la sélection, 4-5 heures de travail, Nisli utilise le mot travail, comme si c'était un mérite et un travail utile. Et lors de son quasi plein temps en recherche et en clinique parascientifique, ce qui revient qu'il travaillait 14-16 heures par jour. À la fin d'ouvrage, Nisli le considère comme un chercheur génial. Il utilise ce mot. Génial, légèrement fou, expression atténuée en hongrois, ayant basé sa conception scientifique, hélas, sur des théories délirantes et fausses. A posteriori, pour moi, la complicité qui s'est constituée entre Nisli et Mengele est partiellement compréhensible. Ils étaient médecins tous les deux, ils utilisaient la même langue, Nisli était parfait bilingue hongrois-allemand, allemand-hongrois. Ils ont bénéficié d'une même formation de l'école allemande, ils utilisaient le même langage codifié des médecins anatomopathologiques, et ils avaient les mêmes préceptes scientifiques souchés sur une description morphologique impeccable des phénomènes médicaux. C'était pas un expérimentateur moderne biochimique physiologiste. Il y avait d'abord la morphologie, ce qui a assuré le rôle clé de Nisli. Tout est décrit dans un style clair, objectif, avec une minutie quasi encyclopédique, même lorsqu'il ne s'agit pas des problèmes médicaux. La présentation est toujours correcte, rédigée, comme j'ai déjà dit, dans un hongrois littéraire de haut niveau, visiblement en application de langage des publications scientifiques, même lorsqu'il s'agit, par exemple, de l'extermination des Sonderkommando. Les personnages des essais, médecins y compris, apparaissent crédibles et sont rendus presque avec trop d'objectivité. Les passages consacrés aux détenus et à leur destin, par contre, en général, est dépourvu de compassion et de l'emphase. Nisli a réussi à transformer la description de quotidien de l'enfer en une communication scientifique. Comme tel, son livre constitue un témoignage unique, à sa manière, du problème des Sonderkommando, sans en donner l'analyse profonde qui s'est effacée pour lui derrière son destin individuel. L'attitude équivoque de Nisli n'échappe pas au lecteur attentif, surtout s'il a partagé le destin concentrationnel de l'écrivain. Néanmoins, il n'a jamais été inquiété après 1945, vraisemblablement parce qu'il vivait derrière le rideau de fer et qu'il est décédé relativement jeune en Roumanie en été 56, 55 ans, au moment de bouleversement de camp socialiste par la révolution hongroise de 56. Avant 56, derrière le rideau de fer, sachez, il n'y avait pas de problème juif. Dans le régime stalinien et de ses représentants locaux, de Rákosi à Gyorgyu Dezs, on n'en parlait pas. Il y avait le monde socialiste et on n'accusait pas les membres de parti qui portaient la croix fléchée quelques années auparavant d'avoir mitraillé les juifs dans le Danube. Après avoir liquidé les 300-400 grosses têtes, le sujet était tabou à partir de décembre 1948. Dans tout le camp, la dénomination juive a été remplacée par sionisme, le sioniste, et le sionisme a figuré comme accusation dans les procès staliniens, notamment dans le procès Slansky en Tchécoslovaquie et le procès Pauker en Roumanie, ces deux étaient juifs. Mais en soi, ce qui s'est passé en Hongrie, entre mars et 44 et mai 45, c'était tabou. Pour cela, consultez le livre de prix Nobel Kertész, édité en 2002. Là, tout est expliqué. C'est pour cela que Kertész, pour son livre, n'a pas trouvé d'éditeur en Hongrie jusqu'en 1976. Le sujet n'était pas assez intéressant et ne concernait pas la population d'un pays socialiste. OK, donc revenons à mon texte. Il n'a jamais été inquiété après 1945, vraisemblablement parce qu'il vivait derrière le rideau de fer et il est décédé relativement jeune.
Bien que des éditions en français et en anglais de son ouvrage existent, je n'ai jamais rencontré, tout le monde est faillible, un article scientifique consacré à cette figure énigmatique, à ces survivants de Sonderkommando, même en hongrois. Là, on peut se poser beaucoup de questions, c'est-à-dire, je laisse le temps à vos questions dans le cadre de la discussion après l'exposé de M. Bartoszyk, où nous serons là tous les deux à vous répondre, mais je peux déjà amorcer une chose. Le nom de Kastner est encore plus ou moins connu. Kastner était avec Nisli le deuxième juif problématique et contesté après 1945. Nisli était un cas individuel, donc on n'a jamais parlé. Kastner, qui a sauvé quand même une fois à Strassow 20 000 juifs, dont moi, et une fois 1 600 de Budapest et des autres villes qui pouvaient payer autant de milliers de dollars pour partir à Bergen-Belsen. Donc, c'est Kastner a eu un procès en Israël tout au début des années 50 et il a été abattu par un jeune homme qui, dont il a ignoré le père quand il a constitué le fameux train de 1600 rescapés. Ça, c'est la première caractéristique, donc, comme, si vous voulez, reliquat hongrois de Shoah. Donc, les deux figures, Nisli et Kastner, traitées de façon beaucoup trop asymétrique. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et la deuxième chose que vous devez réaliser, avant de poser vos questions d'ici 40 minutes, que Nisli est sorti d'une communauté juive extrêmement assimilée. Donc 60% des juifs hongrois étaient depuis souvent deux siècles des hongrois, parlant hongrois, par hasard de religion juive. Et c'est là qui leur a donné une telle absence de perception qu'on pouvait les liquider, que ça disparaissait comme préoccupation. Il y avait des gens qui entraient dans le wagon des bestiaux avec les plus hautes décorations de la Première Guerre mondiale, donc un genre de Verdienstkreuz, donc en disant, la médaille des héros, en disant que moi, avec cette décoration, ça ne peut pas m'arriver. Et ça a constitué une espèce de volet qui n'a pas permis de réaliser la vérité jusqu'au moment que le gaz apparaisse. Donc là, c'est une explication psychologique profonde. Quand on a gazé en 7 semaines 436 000 personnes, ils ne vont pas revenir en témoigner. Mais j'ai perçu cette répercussion donc, de Nisli qui a regardé les autres comme sous un microscope. Ah, on fait ça. Et je le décris. Sans émettre un avis digne de ce nom. Donc là, on peut encore discuter de ça. Et finalement, donc, ajouter qu'il existe un témoignage d'un citoyen israélien déposé en 1963. Il s'appelle Do Paishikovitch. Et il a été déporté 10 jours avant Nisli, de ghetto de Munkács, aujourd'hui Munkácsevo, en Subcarpathie, parce que c'était la région où il y avait la plus haute concentration de juifs orthodoxes et chassidim. Et lorsque Eichmann et ses collaborateurs hongrois, Jaros, Endre et Baki, ont commencé systématiquement le vidange des différentes régions, les premières trains partent de Munkács et Ungvár. Et donc, c'est à partir de cela qu'on a commencé la destruction de la communauté juive. Il faut dire qu'à partir de ces trains, il y avait très peu de gens qu'on a envoyés à droite pour travailler,
95% étaient immédiatement gazés. Le fameux album dont on a parlé hier de Lily Jacob est un reportage de l'arrivée d'un train qui venait de Munkács-Ungvár, entre parenthèses. Donc, Sedor Pajsikovic, survivant, un des rares survivants de l'équipe numéro 12 de Sonderkommando, a une déposition disponible sur Wikipédia. Et là, il parle, je le cite, « Un médecin détenu hongrois devait procéder à des dissections dans une salle spéciale. Il opérait sous la surveillance d'un médecin SS, etc. etc. » Donc, il consacre 9 lignes à Nisli et toute sa déposition valide à 85-90% ce que Nisli a écrit. C'était le dernier élément que j'ai ajouté, donc ça fait exactement 25 minutes, donc nous sommes encore dans les délais. Et pour le moment, avant la discussion que j'espère active, je cède la parole à M. Bartoszyk, dear colleague, this is now for you.